Je vous présente donc Philippe Delbary, directeur marketing chez Orange. Et voici Olivier Moinecourt, le président directeur général de la société HomeWave, notre partenaire. Nous sommes dans une relation de partenariat sur la conception d'un produit innovant qu'on vous présentera autour de cette interview. Alors notre partenariat a débuté il y a 18 mois quand nous nous sommes rencontrés. HomeWave était une petite société, est toujours une petite société qui nous a présenté sous l'angle d'un grand dynamisme un certain nombre d'objets. Et nous étions à la recherche d'un partenaire pour développer justement des services d'objets communicants. Et en 18 mois, HomeWave a réalisé une maquette, deux prototypes et un produit fini. Pendant ce temps, nous avons fait quatre ateliers de co-création, un test quali, un test quanti et un friendly user test. Tout ça pour accompagner le développement de notre produit et arriver au produit final. Ça nous apporte effectivement de pouvoir travailler effectivement sur un projet important, un projet qu'on n'aurait pas eu la capacité de faire en interne, puisque concevoir un produit innovant, on pourrait imaginer de le faire tous les jours, mais être capable de le vendre, on n'a absolument aucune capacité de le faire. Donc travailler avec un groupe comme Orange et la synergie qu'on a pu monter est très importante pour ce genre de relation. Je dirais même qu'au-delà de l'aspect on démarre un projet et on finance un projet, il y a toute la pérennité de la chose. C'est-à-dire que derrière, sur la petite brique de produit qu'on a réalisé, se construit un projet de service avec des briques supplémentaires à venir et des partenariats financiers où HomeWave est censé après s'y retrouver, retrouver du développement et grandir. On vous l'a dit, on a développé grâce à HomeWave un produit où au départ on n'avait pas le cahier des charges et on a développé un produit fini en 18 mois, voilà, pendant lequel on a réalisé une maquette, deux prototypes et un produit final. Je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi. Et puis, avouons-le aussi, HomeWave c'est une petite structure constituée de designers, d'ingénieurs en électronique, des compétences extrêmement ramassées dans un format start-up avec lequel on a pu échanger. Ça nous a apporté de l'air, de la confrontation et des gens capables de nous dire non, on ne le fait pas comme ça, on va le faire comme ça ou je ne le ferai pas comme ça parce que voilà. Chez Orange, elle aura aussi obligé à s'adapter effectivement pour arriver à se rapprocher de ce format start-up, ce qu'ils ont très bien réussi dans le cadre de ce projet. C'est de s'entendre, donc de vraiment arriver à se comprendre et d'arriver à puiser le meilleur de chacun, donc comme ce qui a pu être dit précédemment, donc vraiment l'expertise du groupe Orange dans toute sa splendeur, donc être capable d'avoir ce réseau d'utilisateurs qui va être capable d'interagir sur le produit et nous, notre expertise un petit peu plus technologique pour arriver à travailler ensemble, mais vraiment c'est toujours se comprendre et arriver à avancer ensemble. Accepter de se parler en se regardant les yeux dans les yeux. Voilà, exactement. Et arriver effectivement à travailler ensemble et sortir de ce mode qui a complètement disparu dans le cadre de ce projet-là, du client-fournisseur, et d'être vraiment dans un mode de partenaire.